Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'alphabet challenge qui est I pour indienne. Donc, je vais m'inspirer de cette illustration que j'ai trouvée sur Google, tout simplement. Voilà, quand j'ai été voir quelques idées de make-up indien, pour pas faire juste les deux traits comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, je vais certainement rajouter un petit peu ma perso touch, la queen touch. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette illustration, je la trouvais très jolie en plus. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai juste mis du fond de teint poudre et du bronzer. J'ai pas besoin de plus. Voilà. Donc je me rapproche un petit peu et on attaque. Voilà, je vais pas me rapprocher de trop que vous voyez qu'est-ce que j'en fais. Alors, il me faut un pinceau... Attendez, je cherche. Préparer mes pinceaux à l'avance? Pourquoi faire? Bon, je vais prendre celui-là. Il est pas mal. Je prends la Tina de You Can Be. Je voulais utiliser la Creator, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de rouge dedans. Pourtant, il me semble que j'ai déjà utilisé du rouge. Je m'étais dit je vais utiliser un peu la Creator, mais non, il n'y a pas de rouge. Là, c'est un rose. Ou alors je suis folle. Non, c'est un rose foncé. Ouais, c'est pas un rouge. Bon, après, je pourrais le mélanger avec un peu de marron ou de noir, enfin, mais j'ai pas envie. Et voilà. Donc, je prends donc le rouge qui est ici, parce que là, il y en a un. Alors, je ne sais pas si ça va aller avec ce pinceau-là, il est peut-être un peu souple. Enfin, il est qu'elle est ok, mais... Non, je vais prendre un plus petit, tant pis, mais il me faut quelque chose de plus rigide. Allez, on va prendre... Non, pas toi. On va prendre qui ? On va prendre toi. Il y a une mouchette qui... Ou un moustique, je ne sais pas, qui me... Mais, je me fais agresser par une bestiole. Alors, je vais aller jusque la forme de mes sourcils. Je pense qu'après, je vais remplir au doigt. C'est pour ça que je n'ai pas fait mes sourcils. Ça ne servait strictement à rien. Alors, sur le nez. Je vais déjà faire la forme. Hein. Histoire de... Bon, le tout, c'est de faire symétrique. Donc je vais prélever avec le pinceau pour pas mettre mes doigts dedans parce que sinon j'en avoir plein les ongles. Mais il s'applique super bien au pinceau. Franchement, je suis assez bluffée par la qualité de ce truc. J'essaie de pas m'en foutre dans l'œil quand même parce que ça risque de faire popo. On est mardi, il y a le camion poubelle. Alors je prends une éponge, je reprélève un petit peu pour bien blendé partout. Il faut toujours que le camion poubelle il passe quand je filme. Ou que je filme quand le camion poubelle il passe. Au choix. Non, vous voyez l'opacité de ce truc. Oh, j'aime trop. Maintenant on me connaît quand même super bien. Voilà pour le rouge. Alors, je mettrai en muqueuse en dernier. Alors, je vais reprendre un pinceau assez dense. Bon, toi, tu feras l'affaire.
Je vais prendre le blanc avant de passer au liner. Puisqu'elle a comme un peu la forme ici aussi, mais en blanc. Il sera peut-être pas assez fin. Pour être précis. Je vais d'abord le faire avec un pinceau biseauté. Pour être sûr de mon coup. Je vais rester avec le pinceau biseauté pour remplir. Maintenant, j'y vais au feeling. This feeling time. Alors, je vois qu'il y a un doré dedans. J'utiliserai bien le doré aussi pour faire le tour de mes formes. Donc là, je vais reprendre un pinceau à biseauter, mais plus précis. Ou j'essaye avec un pinceau liner. Je vais essayer avec un pinceau liner assez large et assez dense. Bon, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Oh, bah dis donc. Cette palette m'épate de plus en plus à chaque fois que j'utilise. Bon, ça aurait été plus rapide avec le Méron, hein, on est d'accord. Mais au moins comme ça, je l'aurais testé vraiment de toutes les manières possibles, cette petite palette-là. Voilà pour le Doré. Je kiffe. Je kiffe ma race. J'ai pas de café. J'aurais dû prendre du café. Alors, je vais passer au liner blanc Glisten Milk. J'arrive pas à l'ouvrir. Pas ouvrir l'eau. Alors, je vais prendre le cucu dans mon pinceau. Voilà, parce que j'ai pas envie de sortir un looking tool. Et avoir un truc en plus à nettoyer. Et on va passer au petit pois. Bon, là, j'ai fait un peu bas. Petit point, petit point, petit point. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des petits points. Et là, ça fait beaucoup. J'aime trop trop. Alors, pinceau et liner. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du crayon rouge en muqueuse, mascara, rouge à lèvres, je vais mettre un nude, mais je vais juste refaire un trait blanc. Ouais, blanc ou doré. Non, je vais refaire un trait doré ici. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Donc voilà le look final pour Indienne. Je crois que je suis dans thème. Dites-moi ça en commentaire. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pas un make-up très compliqué. Donc si vous allez à une fête de carnaval, d'Halloween, un bal masqué, n'importe quoi, bah, c'est vraiment facile à faire. Si jamais vous n'avez pas les trucs, vous pouvez utiliser un rouge à lèvres rouge. Bon, achetez un pas cher, hein, parce que voilà, il va vous en falloir un petit paquet. Et sinon, vous mettez de la base et un fard à paupières rouge, hein, ça marche tout aussi bien. Voilà, voilà, bah, écoutez, je suis bien contente. Le prochain, c'est donc J avec jungle. Il risque d'être un petit peu plus travaillé, plus accessoirisé peut-être, je vais dire. On verra ce que ça donne. J'ai mon idée, on verra.
Une fois que j'aurai tourné. Attendez. Une fois que j'aurai tourné le J, je vous ferai un sondage pour avoir la lettre L, puisque le K, ça sera kaki. Tout simplement. Très évident. Et voilà. Donc sur ce, j'ai plus rien à vous dire. Ah oui, j'ai fait finalement un trait blanc, enfin doré et blanc, puisque le doré ne ressortait pas sur mon rouge à lèvres et sur mon teint. Donc ça fonctionne très bien. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça fait vraiment plaisir. De partager aussi, ça fait encore plus plaisir. Essayez d'attirer le maximum de monde sur la chaîne pour que je puisse lancer ce foutu concours des 5000 abonnés un jour. Et donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.